Bonsoir messieurs, dames. Alors ce soir, nous allons faire le cours numéro 33 d'art dramatique. Aïe, aïe, aïe. Complètement déboussolé, hein. Le cours avec mon père, le 32, oh là 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 là. Complètement à la ramasse. Mais les Laurel avec la fiction. En direct, sans préparation. Ouais, c'était un tour de force. Alors, là, nous sommes en pleine fiction. Évidemment, nous sommes dans le cours numéro 33 d'art dramatique. Alors, ce soir, j'ai un peu réfléchi. Je me suis dit de quoi je vais leur parler. Puis je me suis dit, pourquoi est-ce que je fais des comparaisons entre acteurs, non-acteurs, comédiens, vrais comédiens, faux comédiens, etc. Je fais ça pour sensibiliser les jeunes comédiens qui voudraient devenir comédiens, sensibiliser au travail, sensibiliser à la méthode employée pour devenir réellement un vrai comédien. Sensibiliser parce qu'il y a une méthode à employer. Sans méthode, on est un peu livré à soi-même, on est obligé d'agir par tâtonnement. Ce que moi j'ai fait toute ma vie, j'ai tâtonné pour arriver ensuite à un parcours que j'ai pu tracer et regarder de loin et comprendre quelles étaient les étapes que j'avais franchies une à une pour pouvoir acquérir cette faculté de pouvoir disjoncter en direct, comme ça, la faculté de pouvoir disjoncter et la faculté de pouvoir revenir à la normale. Parce que le comédien, ce n'est pas celui qui fait le numéro devant la caméra. C'est celui qui est capable de revenir à la normale dans sa vie de tous les jours. Pourquoi je dis ça? Parce que les jeunes comédiens pensent que la comédie se situe exactement face à la caméra. Lorsqu'ils ont fait leur numéro, ils sont très contents d'eux-mêmes. Et c'est vrai, ils font des choses merveilleuses. Moi, je vois des jeunes comédiens qui jouent la comédie, ils m'époustouflent vraiment. Je suis en admiration devant leur numéro. Mais il faut comprendre que c'est là où tout le problème va s'amonceler chez le comédien. C'est que ça a des répercussions psychologiques sur la personnalité de l'individu. Le numéro qu'ils jouent va les influencer dans leur vie de tous les jours. Et c'est cette influence qu'il faut arriver à comprendre, à maîtriser, à capter pour pouvoir ensuite rétablir une normale psychologique. Parce que si l'on ne rétablit pas cette normale psychologique et qu'on reste dans son interprétation merveilleuse du départ, on est tenté. C'est pas qu'on est tenté, c'est qu'il va se passer une destruction psychologique à l'intérieur du cerveau. C'est-à-dire que l'événement qu'on va jouer va interférer dans le cerveau et va détruire nos facultés de réaction normale. Et ensuite, on va aboutir à une espèce de détraquement psychologique de la psychologie du comédien
qui aura voulu au départ faire bien son travail et qui se sera ensuite détruit automatiquement par un procédé, le procédé des affabulations, des fausses croyances, des délires mentaux, etc., qui prennent le pas sur la psychologie normale du comédien. C'est pour ça que je fais ce cours, cette série de cours. Je me permets, parce que j'estime qu'il y a urgence de prévenir les gens et que personne, nulle part ailleurs, on vous dira que la comédie conduit à la folie. Tous les gens qui font des numéros sur Internet, sur YouTube, etc., sont programmés pour devenir fous. Personne ne leur dira jamais, parce qu'ils ne savent pas ce qui les attend. Lorsque je vois de très bons, de jeunes comédiens faire leurs numéros, excellent, je sais ce qui va se passer chez eux, dans leur cerveau, les répercussions qu'ils vont avoir mentalement. Et c'est catastrophique. C'est une machine à détruire. Pour justement ne pas être détruit par la machine des fantasmes, des affabulations et du personnage fantasmagorique que l'on exprime sur scène, puisque là c'est une fiction. En ce moment, je fais de la fiction avec vous. Pour ne pas souffrir de cette fiction que je me raconte en ce moment, j'ai construit ma psychologie un peu comme un château fort où il y a les oubliettes, il y a les sorties, il y a la programmation pour me rétablir à la normale. Il y a tout un cheminement intellectuel qui me permet de construire ma psychologie pour ne pas sombrer dans le délire absolu de l'acteur, du comédien. Le comédien est entraîné dans une folie complète, puisqu'il construit, il déconstruit le monde pour se reconstruire un second monde. Ce second monde n'existe pas, c'est une fiction. Mais ensuite, le cerveau ne sait plus distinguer la fiction du réel. Dans notre cerveau, il n'y a pas de case en disant « là, c'est la fiction, là, c'est le réel ». Le film que je suis en train de faire, mon cerveau, lui, l'assimile comme étant la réalité absolue de la réalité du monde. Alors que là, je suis dans un délire total. Je suis dans le délire de ma formation théâtrale, de ce que m'a amené les 30 ans précédents qui ont fait que je me suis formé. Je suis dans un délire total en ce moment avec vous. Je ne pourrais pas vous parler sinon. J'aurais quoi à dire? Si j'étais Philippe dans la vie de tous les jours, j'aurais rien à faire devant cette caméra. Si je suis là, c'est parce que je mets en exergue une espèce de fantasme, fantasmagorique. Je me prends moi-même pour un professeur d'art dramatique, je me prends pour un comédien qui donne des leçons, vous voyez. Je suis dans un fantasme complet. C'est ça le comédien. Le comédien, c'est quelqu'un qui est dans un fantasme. Et donc, lorsque je vais ensuite retourner au monde réel, ce personnage-là n'aura plus rien à faire dans le monde réel. Et s'il ne sait pas s'adapter au monde réel, il est foutu. Parce que dans le monde réel, je ne vais pas me voir avec les gens. Mais moi, je suis un grand comédien, monsieur, dame. Je viens chercher mon pain aujourd'hui. Mais aujourd'hui, c'est Napoléon qui vient chercher son pain. Vous voyez ? Si je reste dans ce délire en permanence, c'est catastrophique. Et c'est ce qui arrive très souvent. C'est la programmation du cerveau. Si vous vous construisez le cerveau de façon à ce qu'il intègre que vous êtes Colombo, par exemple, l'inspecteur Colombo, ben, lui, il ne sait plus faire la différence entre le Philippe normal et le Colombo. Quel est l'un, quel est l'autre, vous voyez ? Donc, la déconstruction du personnage,
est plus importante que la construction même. Parce que pour construire un personnage, c'est très facile, on se prend tous pour... Bon, on délire tous, c'est facile de délirer. Maintenant, pour revenir à la normale... Alors, moi, j'utilise par exemple... J'utilise les bases de la vie, je me teste dans la vie régulièrement par des compétitions, des confrontations. Je me teste pour savoir si je délire ou si je suis normal. Je fais des enregistres. Par exemple, je joue aux échecs. Bon, ben, je vois dans une partie d'échecs si je suis apte à jouer normalement ou si je délire complètement. Je me rends compte de mon état mental sur la faculté intellectuelle. Mais il n'y a pas que ça. Il y a la faculté aussi de parler aux gens. Il y a d'autres facultés dans la vie. On doit en permanence se réhabiliter au monde réel. C'est cette réhabilitation qui fait qu'ensuite, on peut se reprojeter dans le délire de la comédie. Mais cette réhabilitation est beaucoup plus difficile que de se projeter dans le fantasme. Alors c'est pour ça que je fais ces cours. Je fais ces cours pour justement expliquer à tous les comédiens, à tous ceux qui veulent se lancer dans ce délire fantasmagorique, qu'il faut acquérir des bases très sérieuses de psychologie, faire de l'analyse transactionnelle, faire de la psychothérapie, faire de la PNP, tout ce que vous voulez, toutes les bases qui font construction mentale, développement personnel, de façon à ce que vous acquérez des bases solides qui vont vous permettre de délier le vrai du faux, du normal, de l'anormal, des choses que vous pouvez dire aux gens sans les choquer, avoir une conversation normale sans paraître pour un fou. Voilà. Sortir du fantasme de la comédie. Et ensuite, pouvoir re-rentrer dans le fantasme. Et ça, c'est un autre processus. C'est rentrer, sortir, rentrer, sortir. Si vous savez manier l'un, manier l'autre, vous êtes libre de pouvoir jouer la comédie sans aucune frayeur, normalement, sans vous faire peur. De façon le plus constructif possible, sans vous détruire surtout. Parce que la comédie aliène les gens, la comédie rend dingo. C'est pour ça que mon personnage s'appelle Filou Dingo. Parce qu'il est dingo, hein. C'est la réalité. Filou Dingo, il est dingo. Il est dans un monde, son monde idéaliste, son monde idéal, ses abrutis. Psychologique, etc. Bon, il raconte des conneries, bon, il raconte des blagues, il raconte des trucs, voilà. Mais dans la vie de tous les jours, si je reste Filou Dingo, c'est l'asile aliéné qui m'attend un peu plus loin. Voilà, vous avez bien compris. Voilà, c'est des choses à mettre au point, à expliquer aux gens, à leur dire que la comédie, c'est pas une histoire facile, c'est pas une histoire simple, que les jeunes qui se lancent dans la comédie doivent acquérir toutes les bases de la psychologie. Ça prend 15 ans, c'est comme un doctorat en médecine. Il faut être psychologue, à acquérir les bases de la psychologie, être psychothérapeute. Oui, au moins le niveau d'un psychothérapeute, et être déjà, pouvoir faire des expériences et tout, être capable. Sinon, sur scène, comment vous voulez manier une scène si vous n'êtes pas capable d'interagir avec les uns, avec les autres? Voilà. Écoutez, je ne sais pas si c'est compréhensible mon cours de ce soir. C'était le 33e cours d'art dramatique. Je vous remercie beaucoup d'avoir écouté. J'espère que ça aura été intéressant pour vous. Je pense que c'est le message très,
très constructif. Enfin, c'est un message essentiel dans mes cours de théâtre. C'est la raison pour laquelle je fais ces cours. Voilà. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté et je vais vous chanter une petite chanson. Merci, au revoir.